Salut les gars, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue pour ce montage du Tamiya Blitzer Beetle numéro 58502. Donc c'est le fameux Buggy Cox. Bon là il est un peu plus large, donc on va faire le montage d'origine, pas trop la carrosserie, mais beaucoup la mécanique. Et je vous laisse, c'est parti. Voilà, alors ce blitzer, on va le monter mécaniquement d'origine. On va mettre une électronique d'aujourd'hui. On va laisser tomber le moteur à charbon. Ça, vous verrez dans la review l'électronique que j'ai mis et dans le montage. Le cerveau aussi, on va mettre un de ceux que j'ai. Et puis, il aura des roulements. Donc, il y a déjà des roulements un peu dans le kit, mais il y aura des roulements sur toutes les pièces tournantes. Et la carrosserie va être mise un peu à mon goût dans une version un peu full black. Donc, vous verrez tout ça et c'est parti pour le montage. Thank you.
Voilà. Alors, c'est fini pour la partie arrière, enfin le bag A. Donc, c'était juste de monter en fait la pignonnerie à l'arrière du diff arrière et puis mettre les bras. Voilà. Donc j'ai pas mis les roulements ici parce qu'ils partent. Et puis voilà, la pose du moteur. J'ai dû le décaler un petit peu, sinon les câbles, ils venaient toucher la biellette supérieure. Donc rien à dire en plus. Tout a très bien été. Voilà. La suite, c'est le bag B. Voilà, alors là c'est l'avant, donc très très court parce qu'en fait c'est le bag B, oui, mais c'est en deux étapes. Donc là c'est juste le train avant avec ces deux axes. Donc c'est des axes, il n'y a pas de cardan, tout ça, parce que c'est une deux roues motrices. Donc ça, c'est en fait c'est la roue libre devant. Là les jantes, elles auront des roulements, puis c'est tout. Donc maintenant, en fait, pourquoi j'ai divisé en deux? Parce que maintenant, c'est la pose de l'électronique. Et puis, on va faire ça maintenant. Donc, bag B, suite électronique. C'est parti.
Voilà, c'est la fin du bac B, donc la partie 2 du bac B, partie avec l'électronique. Donc on a monté vite fait, j'ai rien branché. Là j'ai posé le Hobbywing Ezrun Max 10. Là j'ai posé mon récepteur pour la FlySky. Là j'ai mon servo JX 19 kg à 6 volts. Particularité, en connectant les deux, là ce qui sera l'étape suivante, les câbles sont trop courts, donc je vais devoir faire une rallonge. Je vais faire une petite rallonge pour ça, bon ce sera pas mal parce que comme ça je pourrais surélever pour les faire plonger. Ce sera une mini rallonge, donc on verra. Et puis là la lipo avec les câbles, elle a de la peine à passer. On va peut-être faire un trou sur le côté. Sinon, hop, on va voir la 4002 lipo, même taille. Bon, ça passe. Peut-être l'autre, je peux la serrer comme ça aussi. Hop là, ça passe. Puis là, ça passe encore plus facile. La 4000. Ok. Donc maintenant, la suite, c'est le bac C. Et c'est parti. Make a movie with you, baby. I just
La partie du bac c'est terminée. Donc, voilà, je veux dire mécaniquement c'est bon. C'est comme tous les montages, voilà. On arrive au stade où il ne reste plus que la carrosserie à faire. Sauf que là, la carrosserie, c'est une autre histoire cette fois. Donc la voilà montée complètement. Suspension, ben, c'est ce qu'ils nous mettent comme huile, hein. C'est de la 400. Voilà, soft, jaune, 400. Je crois que j'ai oublié de mettre un truc. Ouais, bah, ouais bon, après. C'est juste le support des batteries, c'est pas grave. C'est pas impératif, mais voilà, ça fait plus fini. Voilà, donc les roues. Très belle roue. Alors, donc, roue avant, c'est deux roues motrices, voilà, avec les roulements, ben voilà, ça tourne vraiment, vraiment bien. Arrière, il n'y a pas de mousse, hein, on sent qu'il n'y a que de l'air dessus. Suspension, elle rebondit pas mal. Peut-être qu'on va assouplir un peu, on va enlever les cales là, à voir. Bon, après, il y a encore la carrosserie qui va venir poser dessus, il y a la batterie, c'est pas tout. Donc, il nous reste après à faire les tests, enfin, à la mettre en route, faire tourner le tout. On va voir comment ça va, mais bon, elle a l'air d'être plutôt pas mal, hein. C'est vraiment, je suis vraiment content. Alors, je sais pas, dans la vidéo, vous voyez un moment, vous allez voir, c'est un peu étrange. Les biellettes sont faites que, il y a le réglage, donc une fois que le cerveau est au centre, il faut qu'il y ait un légèrement et pincement à l'avant et pas ouverture. Il demande de faire un petit pincement en fait à l'avant, ce qui est le cas là. Et puis de le régler à la convenance. J'ai pas eu besoin de le régler, c'est ce qui était pas mal. Là, je pense que c'est bien. On va pas mettre du pincement plus que ça devant. Mais bon, ce qui est demandé, c'est peut-être justement les bogies dans le sable, comme ça. Bon, après, quand on enfonce, on a les roues qui. Voilà, il y a les roues qui. Ça tire un peu vers l'arrière le fait que le châssis descende. Donc, c'est pas mal. Bah, dans le montage, après, il y avait les petites pièces ici, et la flasque. Sur la colonnette ici, la flasque plate est du côté en fait de la fixation et pas du côté de la vis. Ok, voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux à ce moment-là. Mais autrement, tout va bien. Et puis, ben voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça je l'avais déjà dit avant. Il va falloir que je fasse une petite rallonge. Donc on va monter comme ça, redescendre, plonger. Ou faire un peu une courbe là, comme ça. Voilà, bon, je vais voir ça. Et puis, ben voilà, il va falloir mettre en place, alors là je l'ai déjà un peu plugué, donc il va falloir faire cette carrosserie, voilà, carrosserie là, peindre le personnage, alors j'aime pas parce que c'est le casque ouvert, il faut faire le visage et tout, c'est, bon, c'est chiant quoi, je fais pas ça, bon. Donc là, la carrosserie, ben, moi, je la fais comme d'habitude de mon côté. Puis vous la verrez en review. Bon, je mettrai quelques petites photos quand même parce qu'il y a du boulot. Là, il s'agit ben, de la vis, de visser l'avant et puis de coller. Je vais la coller en fait parce que de toute façon, je compte pas la défaire. Il va falloir la poncer intégralement pour enlever les lignes là comme ça, les lignes de moulage. Ici, il y a un décrochement, il va falloir le poncer, il va falloir enlever ouais, bon 2-3 dixièmes là. Hop là, c'est pas cassé, c'est simplement que l'avant, voilà, c'est comme ça. Et puis, il va falloir faire quelques petites modifs. Là, il va falloir que je mette pour faire passer les LED. Qu'est-ce que je voulais en faire? Oui, il y a l'avant ici. Il va falloir mettre les LED, donc c'est des LED carrés, hein. Enfin, c'est pas, ça se met pas dans le phare, hein. Je vais faire un peu modif, c'est ça que j'ai dit, un peu cette version un peu black spéciale. Je dois avouer que c'est un peu le design, pour ceux qui connaissent déjà, Mechanic After Hour. Si jamais, allez voir ces vidéos, elles sont assez extraordinaires, surtout sur ce buggy blitz, ce Blitzer Beetle, il a fait une machine d'enfer, quoi. Donc voilà, il y a des modifs à faire, un peu à gauche, à droite, peut-être boucher les trous, on verra. J'ai pas acheté de mastic pour ça, on verra si j'irai au Brico pour aller en acheter.
la carrosserie, la poncer, mettre de l'après, la reponcer, mettre une première couche. Je sais pas si je dois polir ou pas. Non, après je vais mettre, voir de la couleur que ça donne. Sinon, je ferai une couche de vernis dessus et là, je polisherai le vernis. Et puis, ben, la peinture de ça. Voilà, donc j'espère que cette partie de montage vous a plu et on se revoit tout de suite pour la review. À toutes! Voilà, le montage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est vrai qu'en fait, le montage purement mécanique est assez rapide. Enfin, rapide, entre guillemets, hein, je veux dire. J'ai pris mon temps, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose à monter. Par contre, voilà, ce que j'avais pas fait, c'est l'électronique. La voilà terminée. Avec l'électronique posée, bon, il y a des câbles un peu dans tous les sens. Du fait qu'il y a, ben, il y a un peu de LED sur la carrosserie. La carrosserie, vous ne l'avez pas vue non plus encore. Alors, on va mettre une vue un peu plus plongeante. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a un petit montage avec une fiche un peu spéciale. J'ai acheté en fait ces fiches-là un peu en triangle. Ah, j'arrive pas à les prendre. Voilà. Ah, il y a ces fiches-là en fait. Vous soudez derrière. Après, il y a des petits caches qui viennent se clipser derrière. Et puis, c'est, on va dire que c'est assez pratique pour poser. Voilà. Donc moi, j'ai pris que la partie, femelle, parce que les fiches bananes du moteur en fait correspondent au diamètre de ces fiches-là. Il existe aussi la même chose en noir. Voilà. Si jamais, enfin voilà, c'est sur AliExpress que j'ai trouvé ça. Cette RC est branchée sur ma FlySky. Donc j'ai son récepteur ici. Ici, ça c'est le câble qui amène un petit boîtier de la carrosserie dans lequel il y a les LED arrière branchés dessus. Donc c'est en fait c'est un Y qui se branche et sur le récepteur et sur le SC, ce qui fait que le fait qu'il soit branché sur le SC, il repère en fait le freinage. Donc ça allume les LED arrière un peu plus fort. Par contre, les LED avant, vu qu'il y a un circuit électronique qui est déjà branché, qui est déjà sur les LED, je peux les brancher directement. Il y a les protections en fait, limitation de tension. Voilà, après le montage, non, pas grand chose de plus. Ce qui va peut-être se passer, c'est que dans un deuxième temps, je vais changer les étriers des trains avant, ainsi que l'axe de roue pour pouvoir mettre des roues avec hexagone de 12. Donc ça, je ferai une vidéo avec cet optionnage-là, mais ce sera plus tard. Et puis, je vais aussi changer les suspensions. En parlant d'options, en fait, c'est un peu voilà, ce que j'ai mis en plus. Hormis le cerveau et le combo moteur, j'ai mis aussi dessus les roulements. C'est un set de roulements Air Racing. Donc, c'est le YB0050BX. Voilà, pour les indices. Et puis, pour les LED, si jamais, ça, c'est la référence pour les LED avant. Donc, c'est des RC4WD. Et on voit, c'est Z-E-0066W, je pensais pour White. Vous verrez après. Et après, les LED à l'arrière, les LED rouges, c'est un kit, tout ce qui est de plus...
Enfin, c'est juste deux LED. Mais c'est deux LED qui se bloquent sur une carte électronique qui est faite pour les kits LED Killer Body. Voilà la carrosserie. Terminée. Donc les stickers Blitzer Beetle, tout ça, là, ceux-là, ça je les ai reproduits. Comme ça, j'utilise pas ceux d'origine. Par contre, ce qui est ceux d'origine, c'est les stickers de fenêtre, enfin toutes les publicités et puis la plaque. Voilà, le phare arrière, c'est un phare arrière qui est fumé d'origine, mais je l'ai peint avec la peinture rouge. C'est la rouge transparente de Tamiya en pot. Puis voilà les LED avant, RC4WD. L'intérieur, donc là voilà, ça c'est les LED arrière, tout raccordé sur le petit boîtier. Donc c'est un boîtier ben, Killer Body qui en fait il se vend pas à l'unité, il se vend dans des kits LED déjà utilisés. Donc ben, là on a toutes les fiches pour mettre les différentes LED avant, arrière, clignotant et tout ça. Et puis là on a les fiches pour brancher. Et le Y de l'ESC et le Y du cerveau pour repérer quand vous tournez à gauche à droite pour faire des clignotants pour ceux qui veulent. Ça, c'est mon câble pour les LED avant. Puis après, je branche l'autre ici. Voilà le petit personnage. Alors, je lui ai pas peint le visage parce que le visage, il est un peu, il fait un peu sinoc, je dois avouer. Donc, je lui ai pas peint les yeux, sinon ça faisait vraiment. Il faisait vraiment bizarre. Il regardait un peu de travers. La carrosserie, donc la carrosserie, on va dire, c'était la chose la plus compliquée. J'aurais pas cru. C'est une carrosserie en ABS. Après, j'ai voulu faire un peu le dingo. Hein, je veux dire, hein. Ils disent de la peindre avec du TS14, faire en fait le noir pour l'ABS, hein, pas le PS. Parce que le PS, c'est pour le polycarbonate. Donc là, j'ai fait avec la peinture plastique Tamiya. Enfin, voilà, j'ai pas utilisé la peinture plastique Tamiya. Mais Tamiya dit, voilà, vous peignez ça en noir, la carrosserie en noir. Sauf que ici, il y a, alors je l'ai montré soit peut-être dans les unboxings, soit dans des vidéos un peu avant, enfin, ou là, un peu une partie avant. Ben, ici, il y a les traits de moulure qui sont là. Et aussi là. Et surtout à l'avant, il y avait un décalage pratiquement de plus de 1 mm à cet endroit-là. Donc j'ai tout poncé, j'ai mastiqué un peu. Donc là, on ne voit plus rien. Ce qui fait que j'ai passé une couche d'après. J'ai poncé pour voir où étaient encore les aspérités qui n'allaient pas. J'ai refait une couche d'après, j'ai poncé, puis après, j'ai peint en noir. Alors j'ai acheté un noir. Dans les magasins de bricolage, hein. Donc c'est un noir pour le plastique. De toute façon, c'est de l'ABS, c'est du plastique simple, hein. Simplement que l'ABS il permet d'être refondu, resolidifié, refondu, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ils l'utilisent dans les machines à injecter le plastique. Et ben, ça m'a posé pas mal de problèmes. J'ai eu des soucis, tout d'un coup, la peinture elle est devenue mate. Donc j'ai essayé de la polisher, le polish Tamiya, tout ça, ouais, bon, ça va, mais ça faisait pas un boulot parfait. Donc là, j'ai remis une couche et j'ai verni par-dessus avec la ligne fluorescente. Donc c'est fluorescente orange pour essayer de coller aux jantes. Là, ça, franchement, elle est vachement palichonne sur la vidéo, en tout cas sur mon retour caméra.
Donc après les trucs pour la carrosserie, ben c'est un peu voilà, c'est un peu sport parce qu'il faut hop, que je branche le SC là-dessus. Tac. Et puis le plus compliqué pour moi c'est voilà, enfin remarque ça va là comme ça. C'est un peu ça avec les carrosseries. Alors, je sais que dans d'autres disciplines, ils mettent des plots de carrosserie avec des contacts, des plaquettes de contact, ce qui fait que ça alimente direct. Il faut un peu trouver le. Voilà, j'ai trouvé. Voilà ma version de la Blitzer Beetle. J'espère que cette vidéo de montage vous a plu. Moi, ça m'a plu de monter cette voiture, malgré que la carrosserie, ce n'est pas une sinécure. Mais voilà, bon, après, on peut faire la version simple, hein. Vous prenez la bombe Tamiya TS14 et hop, vous peignez ça en noir ou pas. Hein. Je veux dire, si vous ne voulez pas la peindre, vous la peignez pas. La carrosserie ABS est noire, mais c'est un noir un peu. Il est un peu huileux, il n'est pas très brillant. Voilà, c'est un peu terne à certains endroits. Donc vous faites ce que vous voulez, et puis ben, voilà quoi, vous la faites à votre goût quoi, c'est comme ça. Oui, donc montage très cool, pas très compliqué hein, franchement, c'est une voiture qui peut être montée par des enfants, hein, il n'y a aucun problème. Et puis ben, il s'agit de la rouler, puis on verra aussi avec la prochaine... Sa prochaine version un peu optionnée pour avoir des roues un peu plus grosses aussi. D'autres roues qui vont donner un look encore un peu plus agressif à cette voiture. J'espère que cette vidéo de montage vous a plu. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Tchuss!